السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلميذ السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية، اللي ما شاء الله غنشوفو غادي نبداو واحد المراجعة ديال الدروس ديال ليكونومي جينيرال، وغنبداو ب لي زاغريغا دو لا كونتابيليتي ناسيونال، نوطامون غنشوفو لي زاغريغا دو لا برودكسيون اللي هو لو بي بي، يعني لو برودوي انتيريور بروت. غنشوفو كيفاش غنحسبو لو برودوي انتيريور بروت سيلون تخوا زوبتيك. عندنا لوبتيك دو لا دوموند ou bien des dépenses, qu'est-ce qu'il y aura l'optique de la demande ou bien l'optique des dépenses, optique de la production et optique de revenu. Alors, pour ce l'optique de la demande ou bien l'optique des dépenses, nous savons que les ressources sont toujours égales avec les emplois. Hein? Les ressources, les huma, le PIB, yani la production nationale, zaid les M, c'est les importations, c'est les produits les jaillent au Maroc. Donc, on a les produits qui sont faibles, comme le PIB, ou les produits qui sont faibles, comme les importations. Donc, le PIB et les importations, c'est les emplois qui sont faibles, Une partie de la consommation finale, yani les dépenses de la consommation finale, les dépenses de consommation des ménages, des entreprises ou bien des administrations publiques, qu'elles disent qu'il y a FBCF plus variation de stock. Le FBCF, c'est variation de stock ou l'investissement, c'est les exportations. Ou l'achat de l'achat, on a le droit de l'achat. Et c'est les exportations. Donc, PIB plus les importations, qu'est-ce qu'il y a dépenses de consommation finale, plus le FBCF, c'est une formation brute de capital fixe, plus variation de stock, plus les exportations. Et là, je dis que les importations, au sein de l'OMG Al-Khura, répondent à le PIB. Donc, le PIB est reconnu à dépenses de consommation finale, plus FBCF, plus la variation de stock, plus les exportations, moins les importations. C'est-à-dire à laquelle il répondent à le PIB selon l'optique de la demande, ou bien les dépenses. D'abord, on va voir qui va répondre le PIB selon l'optique de la production, de l'intérêt. Et le chinois, le PIB, il voit jamais les valeurs ajoutées, la somme des valeurs ajoutées. Et là, la somme des valeurs ajoutées, la valeur ajoutée agricole plus valeur ajoutée non agricole, la valeur ajoutée marchande plus valeur ajoutée non marchande, la valeur ajoutée du secteur primaire plus la valeur ajoutée du secteur tertiaire secondaire plus la valeur ajoutée du secteur tertiaire. Il y a la valeur ajoutée. Mais les quand je l'assemble des valeurs ajoutées, les impôts sur les produits. Et je quand les impôts sur les produits, je l'assemble là. La valeur ajoutée au prix du marché. Je vais dans le somme des valeurs ajoutées inaya, seulement au prix de base. Yani, le somme des valeurs ajoutées au prix de base, les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits. Les impôts sur les produits moins les subventions sur le produit, je vais les mettre en place pour que les subventions les impôts nets de subventions. Il y a les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits, car il y a les impôts nets de subventions. Il y a le PIB reconnaissant où il y a la somme des valeurs ajoutées au prix de base plus les impôts nets de subventions. Là, on peut faire le PIB selon l'optique de la production. Mais ben, Ramchouf, le PIB est selon l'optique de revenus. يعني جميع لو ريفوني اللي حصلوا عليهم لي زاجون ايكونوميك داخل ليكونومي. دونك البي بي سيلو لوبتيك ديال الريفوني غيساوي ليا الريمونيغاسيون ديال لي سالاري، جميع الناس اللي ساهموا في لا برودكسيون بلا فورس دو ترافاي كياخذوا اون ريمونيغاسيون على لي سالاري ديالهم، زائد اي بي او يعني ليكسيدون بروت ديكسبلواتاسيون. هذه الريمونيغاسيون ديال لي زونتربريز، هذه الريمونيغاسيون هنايا ديال لي سالاري، c'est une rémunération de la force de travail. L'excédent brut d'exploitation, c'est une rémunération du capital.
Donc, rémunération via les salariés, et l'excédent brut d'exploitation et revenu mixte. Alors, le revenu mixte, il y a les agents qui servent de la force de travail ou qui servent de le capital. Et donc, on fait les revenus mixtes. Plus les impôts sur les produits, moins les subventions sur les produits. Ou les impôts nets de subvention. Il y a des pays qui reconnaissent où il y a la rémunération des salariés, il y a la rémunération de la force de travail, il y a la rémunération du capital, mais le revenu mix, il y a des gens qui ont une rémunération comme gérant, le travail d'yalo, rémunération à le travail d'yalo, ou qui a une rémunération à le capital légère, il y a le revenu mix. Le revenu mix, c'est ce qu'il y a, les revenus du le travail et les revenus du capital. Donc, la rémunération des salariés, plus l'excédent brut d'exploitation et revenu mixte, plus les impôts nets de subvention, les 4 salaires par impôt sur les produits moins les subventions sur les produits. Donc, il y a un prolassa qui est le PIB selon l'agrégat de la production. الوغ كنتمنى انكم تكونوا استفدتم هذا الفيديو الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش بارطاجيوه مع زامي ديروا لايك واشتركوا في القناه باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا كنتمنى لكم التوفيق وترقبوا المزيد من الدروس في قادم الايام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.